Mesdames et messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la mise à jour Clash Royale. Elle vient de sortir à l'instant. Je me suis dit que ça serait sympa qu'on découvre un petit peu tout ça ensemble. Et notamment, je vais ouvrir du coup toutes mes récompenses de la route de trophées. On va découvrir un peu ça ensemble. Ça va être très sympa. On part en jeu directement et sans plus attendre, je me dirige direct dans l'onglet cartes. Alors déjà, j'ai ouvert un coffre en argent juste avant la vidéo et j'ai chopé... Il est où? Le séisme, il est où le séisme? Là, il est là, voilà, le voici, le séisme actuellement niveau 3. On va sûrement en débloquer un peu plus dans la vidéo, on va le monter de niveau évidemment. Mais surtout, ce que je voulais faire, c'est la roquette. Elle est où la roquette? La roquette, les gars, j'ai prévenu, le skin de la roquette est juste phénoménal. Je l'augmente, niveau 3 étoilé direct, j'en ai rien à faire, je ne veux rien savoir. C'est parti, niveau étoilé numéro 1. Elle est superbe déjà, nouvelle carte étoilée. Niveau étoilé numéro 2. Et je vais même pas. Direct. Niveau étoilé numéro 3. Pour beaucoup trop d'ailleurs d'étoiles. Hein, parce que j'en avais 180. J'ai dépensé 45 000. 45 000 étoiles juste pour cette roquette. Et vous savez quoi? Ça vaut le coup. Je suis complètement fan de cette roquette. Maintenant que ça c'est fait, je vous propose de récupérer le coffre légendaire que j'ai juste ici. Voilà, petit bonus. Avant de partir dans la route de trophée. Alors, on récupère les deux quêtes. Ah, d'abord le coffre. Ok, très bien, très bien. On va le faire dans l'ordre. D'abord, du coup, petit coffre légendaire. Petite légendaire qui tombe pour commencer, pour s'échauffer un petit peu. Archer magique. Nickel. Nickel. C'est l'une des trois légendaires que j'ai pas encore au niveau 12. Ça me va parfaitement. Je prends avec grand plaisir. Et on récupère la dernière quête. Sur ce... Ah, il y a un coffre aussi. Petit coffre gratuit. Ok. Alors, on va partir du coup dans la route des trophées qui est juste ici. J'ai 77 récompenses, les gars. 77 récompense à obtenir aujourd'hui. On va se faire tout le parcours du coup jusqu'à 5000 trophées. Allons-y, let's go. Et on va aussi observer un petit peu les machins, les maps. Enfin, c'est ces petits décors qu'il y a ici parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas trop regardé, mais je veux vraiment en profiter parce que franchement c'est super bien fait. Regardez ça, regardez ces décors, c'est juste absolument génial. J'adore, je suis fan. Ils ont fait vraiment un très très bon boulot. C'est des détails, mais j'adore. C'est vraiment les détails qui font tout l'intérêt du jeu. Bref. On ouvre, petit coffre en or pour commencer, tranquillou, un séisme, ça c'est cool. Ensuite, on va choisir des cartes, bon, j'ai tout niveau max, donc on va prendre plutôt des étoiles, on va en profiter évidemment. 200 d'or, je prends avec grand plaisir et... Ah bah écoutez, j'ai pas le chasseur niveau max, donc allons-y, prenons chasseur, pas de souci. On arrive dans une nouvelle arène, l'arène 2, Fossozo, ok très bien. C'est marrant parce que je me rappelle plus des arènes maintenant, ça bouge tellement. Ça permet de revoir un petit peu tous les environnements. J'aime beaucoup cette route des trophées. Je sais pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de la mise à jour. Maintenant que vous avez vu les sneak peeks, maintenant que c'est en ligne et tout, vous avez pu tester un peu des trucs. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour? Pour ceux qui n'ont pas vu les sneak peeks que j'ai fait, où j'explique vraiment toutes les nouveautés, et notamment les trucs qui ne se voient pas en jeu, comme le système de trophées ou les nouveaux modes qui ne sont pas encore là, n'hésitez pas, je vous mets les vidéos dans la description de cette vidéo-là. Comme ça, vous pouvez aller faire un tour et vous renseigner si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez dans cette mise à jour? Est-ce que c'est les modes? Est-ce que vous préférez la roue des trophées? Le fait de gagner des trophées? Est-ce que c'est la carte, le séisme? Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, c'est intéressant. En tout cas, un truc... Oh, nice, petit géant squelette. Un truc que j'ai remarqué sur cette mise à jour, c'est qu'il y a énormément d'avis positifs dessus. C'est l'une des mises à jour qui est le mieux accueillie depuis le début de Clash Royale, vraiment. Donc vraiment, c'est génial d'avoir une mise à jour qui fasse plaisir à tout le monde comme ça. C'est vraiment un pur bonheur. Ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir une belle mise à jour. Vraiment, on est très content. En tout cas, moi, je suis très content. Du coup, on en est où? On est à 750 trophées. Ok, on a toujours... Pour l'instant, il n'y a pas de gros coffre, donc ça commence à grossir un petit peu. Mais pour l'instant, ça va. C'est relativement modeste. Le petit baril, évidemment, comme ça, on l'avance vers le niveau 13 tranquillement. Oh, 50 gemmes! C'est pas mal, ça. J'avais pas vu, j'avais pas vraiment regardé. J'avais pas vu que sur la roue des trophées, il y avait des gemmes. Ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire que potentiellement, bah, vous allez pouvoir vous acheter des emotes ou même faire des défis si vous voulez. Ou alors les garder pour réessayer les défis de certaines occasions. C'est vraiment cool. Très bonne idée de mettre des gemmes dans la route des trophées. Je salue l'initiative. Est-ce qu'on peut avoir... Ok, un chasseur, c'est cool. Chauve-souris, c'est cool. Ouais, ok. Dommage, j'aurais préféré des étoiles, mais c'est pas grave. Ah, on arrive en arène 4. Le parc Pekaland. Ok, très bien. Et regardez, non franchement c'est super beau. Regardez les arènes derrière. Regardez là, c'est une TDE non allumée avec de l'or et le petit papillon qui vole. C'est génial. Alors le mortier d'ailleurs, le design qui a changé. Est-ce que vous aimez ce design ou pas? Franchement je trouve que c'est sympa. Ils l'ont changé, c'était pas forcément nécessaire. Mais pourquoi pas, écoutez, ça fait des petits changements.
C'est toujours agréable d'avoir des petits changements, c'est rafraîchissant tout simplement. Du séisme, enfin, on en a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant. Très bien. Et on enchaîne. On a de la roquette, évidemment, la roquette. Je suis devenu fan de la roquette. Vraiment, c'est juste un skin. Mais je sais pas, ça donne tout l'intérêt à la carte. Je suis complètement fan de la roquette. Je vais jouer des decks roquette juste pour jouer le skin, c'est terrible. Oh, et regardez, le décor, les gars. Juste deux secondes, on s'arrête deux secondes. Le décor, regardez le décor avec l'épée. Regardez l'épée avec la couronne. La bûche, regardez la bûche, j'avais pas vu l'Arkix qui est vide et le coffre il est magnifique. En vrai c'est magnifique les gars, ils ont fait un travail de malade sur les décors et franchement c'est hyper appréciable. Coffre légendaire, mesdames et messieurs, est-ce que je peux avoir une légendaire que je n'ai pas au niveau max, s'il vous plaît? Enfin, n'est pas niveau 12, eh bien c'est raté, c'est pas grave, on va l'échanger. On a 2000 trophées, ok, pas de soucis. Du coffre en or, toujours et encore. On prend du soin parce que c'est drôle. J'ai les deux max de toute manière, donc ça ne fait pas de différence. Un emote. On a des emotes également dans la roue des trophées. Et ça, c'est intéressant. Bon, cette emote-là, je l'ai déjà. Donc, ça va pas faire grand-chose. Oh, c'est sympa, cet écran. C'est mignon. Ah, oh, j'aime bien. j'aime bien. J'avais déjà l'emote. Il était disponible en fin d'année dernière. On va y arriver. Mais ok, pourquoi pas. Au moins, il sera dispo dans la roue des trophées. On va prendre plutôt des étoiles ici parce que, de toute manière, le... Attendez, j'étais en train de dire un truc, on s'en fout. Regardez le bonhomme de neige, c'est un PK. C'est génial. J'avais pas vu. C'est génial. Il y a des petits détails, les gars, dans cette route de trophées qui sont juste incroyables. Coffre épique. Ça fait plaisir, ça va faire quelques épiques en plus. Est-ce que je peux en avoir que je n'ai pas niveau max? Le gobelin géant, je prends. Les sapeurs, c'est de la merde, mais je prends. La charrette à canon x12, ça oui, je prends par contre, parce que du coup, elle est bientôt niveau 13. Il m'en manque seulement 27, donc c'est très cool. Je dis oui, bon coffre. Je valide, on commence à arriver dans des trucs un petit peu croustillants là, vous le sentez? Oh, attendez, l'éclair, c'est trop bien. Oh, le cactus, la petite... Oh, regardez, là, ça 100% c'est une référence à Brawl Stars. Le cactus comme ça, il est vraiment stylisé comme sur Brawl Stars. 100% c'est une référence. Alors, petit coffre magique, voyons voir. On a des recrues, des fripons, du chevaucheur, 3 fioles gobelins, très bien, et des sapeurs, ok. Pas de séisme, on a vraiment que dalle de séisme. On peut en parler deux secondes ou... On n'a pas de séisme, vraiment. On a dû en avoir un depuis le début. Donc c'est pas ouf. Mais bon. On va pas se plaindre non plus. On a des récompenses gratuites parce que tout ça c'est gratuit. On a tendance à l'oublier, mais c'est gratos. C'est offert par la maison. Là, est-ce qu'on prend du clonage presque niveau max ou du dragon? Du dragon, évidemment. Parce que le clonage, c'est pas hyper utile. Et on l'a vu un peu dans la dernière méta quand même. Mais bon. Ok, 50 communes, très bien. De l'or, encore et toujours, ça monte pas mal. De la Oh, un nouvel emote, ça me plaît. Oh, il est stylé, il est vraiment stylé. J'adore, je valide. Oh, alors, ok, ça c'est cool. Je suis content. L'emote, du coup, comment il s'appelle? Le fantôme, content, amoureux. je sais pas trop. Mais il est sympa, je valide. Il est vraiment très cool. Ça fait plaisir. Et encore une fois, un emote gratuit, les gars. Un emote gratuit. Et en plus, il est vraiment sympa. Il est vraiment stylé. Je valide tous les jours. On va prendre ici du miroir parce que, bon, de toute façon, le bureau, on l'a niveau max. Donc, autant mettre le miroir au niveau max. Oh, nice. On a un gros coffre. Ok. Alors là, les gars, là, il faut du séisme. Là, on va pas... Soyons sérieux deux secondes. Le coffre légendaire magique du roi. Je connais toujours pas son nom. On est sur un gros coffre. Allez, il faut du lourd. C'est parti. Prions, mes amis. De tout notre cœur, 4200 gold. Ok, très bien. On a de l'armée de squelettes. On prend les étoiles. On prend les étoiles encore une fois. Du PK. Ok, ça c'est bien. Du PK, on va l'emmener au niveau max. C'est nickel. Il est en bonne voie ici. On prend de l'or. Ah, mais c'est dommage. Du coup, on a eu 70 cochons royaux. On va pas avoir de séisme. Mais non, les gars, sérieux. Le miroir. Je suis pas pressé d'avoir le miroir max. On va plutôt prendre du dragon. Ça sera toujours plus utile. Ensuite, on a, bon, pareil pour le clonage, même situation, on va plutôt prendre du chasseur. En plus, il est même pas niveau 12, donc vraiment, pas de souci là-dessus. Et une légendaire, du coup. Donnez-moi une légendaire que je n'ai pas niveau 12, s'il vous plaît. Raté. Bon, c'est pas grave. On va prendre de la bûche. Ça sera plus facile à échanger derrière. Donc, c'est nickel. Bon, le coffre. Mais je suis déçu. En vrai, je suis déçu parce que j'ai pas de séisme. C'est quand même la carte que je veux. Enfin, c'est la seule carte. Là, maintenant, je veux juste du séisme, les gars. Juste, donnez-moi du séisme. Reprenez tout le reste, donnez-moi du séisme. On va pas se plaindre quand même, c'est gratos. Et on note aussi d'ailleurs, juste un truc, regardez.
Regardez le design, regardez ce coffre, il est magnifique. Juste sur la gauche, bref. Je m'extasie. Et on arrive du coup en arène légendaire. Ok, très bien. Donc là, on passe carrément au niveau au-dessus. Et on va, du coup, on va avoir les récompenses. On va avoir des grosses récompenses. Ça va être sympa. On a un jeton commun. Ok, très bien. Ok, il donne des jetons. Ouais, pourquoi pas. Très bien. Coffre de foudre. Alors là, les gars, là. Là. Non, arrêtez. Donnez-moi du séisme. Là, soyons sérieux deux secondes. Arrêtez de me donner. Je m'en fiche des électrocuteurs. Vraiment, j'en ai rien à faire. Golem de glace, mais pareil. Même combat. Vraiment, donnez-moi juste un truc bien. Non, pas de la cabane. Donnez-moi du séisme, c'est tout, là, maintenant. J'ai quand même pas de bol. On peut en parler ou pas? J'ai quand même pas de bol. C'est phénoménal. C'est n'importe quoi. Alors, on va prendre de l'or. On prend... Ah, il y a encore un coffre sympa. Eh non, mais les gars, en vrai, là, il y a pas mal de gros coffres. Hein. On se chope un nombre de légendaires assez incroyable. Ça fait plaisir. Alors... Voleuse, j'ai les niveaux 12 encore une fois, c'est pas, ça va, on va tout échanger, on va tout échanger, j'ai des jetons en stock, ne vous inquiétez pas. On va aller choper des légendaires intéressantes, j'ai tout niveau 12 donc bon, c'est pas grave. Alors, on se chope encore une fois un petit jeton, pas de soucis là-dessus, un coffre de foudre. Alors là vraiment les gars, là vraiment, arrêtez, arrêtons de déconner, donnez-moi du séisme, c'est tout. S'il vous plaît, non, encore des électrocuteurs, pourquoi j'ai que des électrocuteurs qui arrivent à chaque fois? Je m'en fiche. Du dart non plus, mais aussi le dart, on l'a vu 12 milliards de fois. Ah, enfin. Eh ben, on aurait eu du mal. On aurait eu du mal, on va prendre comme ceci. Nickel, 21 séismes, ça, c'est cool. Et c'est tout. la fin brute, j'avais pas remarqué, je pensais qu'on en avait encore à ouvrir. Non, c'est bon, on est arrivé à la fin de... On est arrivé à 5000 trophées, du coup, en mètre 1. Et du coup, il reste quand même pas mal de récompenses au-dessus. Ah, ouh, 100 gemmes. Il reste pas mal de récompenses à débloquer au-dessus. On s'est quand même fait plaisir dans cette vidéo. On a débloqué pas mal de trucs. Le séisme du coup qui passe au niveau... ça va pas aller très haut en fait parce qu'on en a vraiment pas eu beaucoup. On le passe niveau 4, on le passe niveau 5 et on le passe niveau 6. Bon, ça va. Ça va, ça va. Niveau 6, on en a pas chopé énormément. Mais il y a un petit défi en ce moment les gars. Je pense qu'on va se faire plaisir. On a 20... 20 séismes pour 10 victoires et on en a surtout 100 pour 15 victoires. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur le défi? Un petit 15 victoires, ça serait propre. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Il y a moyen que ça fasse un petit sujet de vidéo. Je vais pas vous mentir, ça me tente bien de faire ça en vidéo. Voilà les gars, c'en est tout pour cette vidéo Clash Royale. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.